la démarche générale d'innovation, c'est la conjonction de, d'une part, un problème théorique, qui en général sert de fil conducteur à une thèse de doctorat, et d'un problème industriel. Il faut que les deux se rencontrent, à peu près au même moment, ou en tout cas dans, dans un flux de temps qui soit assez court. Et donc, à partir de ces deux problèmes, on essaye ici de fabriquer des prototypes qui sont cohérents avec la démarche scientifique théorique, proches du besoin industriel. Et à partir de ce prototype, on fait des démonstrations auprès d'industriels potentiellement intéressés et on cherche à aller le plus loin possible jusqu'à des choses crédibles qui puissent avoir un sens à la fois scientifique, technique et éventuellement économique si on cherche à les mettre sur le marché. On pourrait chercher à automatiser ça ? Ça nous permettrait de faire des démos plus convaincantes, je pense. Ce robot est le robot le plus rapide de tout le marché mondial. Il repose sur une innovation principale qu'on appelle robotique parallèle. Robotique parallèle, c'est une base, tous les éléments lourds sont ici, les moteurs, l'électronique de puissance, et entre cette base et la partie utile qui est ici, qui permet de transporter les objets, on a installé, c'est ça la clé de l'innovation, quatre chaînes en parallèle qui agissent tout en même temps sur un seul organe, l'organe qui est ici, et qui permet, par exemple, dans l'industrie agroalimentaire, de déplacer extrêmement vite des chocolats qu'on met dans des boîtes, des poissons congelés qu'on met en barquette, ou dans l'industrie électronique, des composants, donc en général des pièces légères, qu'on cherche à assembler et donc à déplacer le plus vite possible. Et donc c'est ce qui est réalisé par cette machine. Alors pour mener à bien ce genre de projet, je pense qu'il faut plusieurs paramètres. Le premier, bien sûr, c'est commencer par avoir une idée assez générale. Et dans le cadre de la recherche académique, qui est le lieu, le creuset de ce projet, il faut un bon étudiant. Là, j'ai eu la chance d'avoir un étudiant absolument remarquable, Vincent Nabat. Et il faut aussi un soutien pour le cas de ce genre de machine qui est très technologique, un soutien proche de l'industrie. Et après ça, il faut encore trouver un client, donc un producteur de robots. Et là, tout s'est bien enchaîné, l'idée, l'étudiant, le soutien technologique pour le développement et la rencontre d'un client qui était justement à la recherche d'une innovation pour son propre marché. Ce robot ressemble beaucoup au précédent, mais en fait nous permet d'introduire le problème de la redondance. La redondance, c'est ici d'avoir plus de moteurs que de degrés de liberté sur la nacelle, 4 moteurs et 3 de mouvements possibles seulement ici. Grâce à cette redondance et aux méthodes de commande qu'il a fallu développer et inventer pour pouvoir contrôler cette redondance, cette machine a atteint les plus grandes accélérations jamais obtenues dans des laboratoires, 100G, à comparer aux 15G du meilleur robot industriel, qui est aussi notre conception, et aux 10G des meilleures performances des autres robots. Dans le cadre d'une collaboration chercheur et industriel vers l'innovation, les démarches ne sont pas forcément exactement identiques. L'industriel a évidemment un besoin de rentabilité financière beaucoup plus rapide, beaucoup plus court que le chercheur. Mais néanmoins, ils doivent travailler ensemble. Le chercheur pour pousser ses idées théoriques ou ses concepts le plus loin possible, les faire valider, mais malgré tout se mettre en phase avec un besoin économique de plus court terme, de création d'emplois ou de création de richesses.